suis-je? Je ne sens... Je sens plus rien. Ouais. Hé hey, lâchez-moi. Qu'une goutte, je devrais pas être gonflé à bloc comme ça. Et pourtant, si, un peu. Oh, réfléchis, Slade, réfléchis. Quelle est la mission, soldat? Ok, pas de panique. Le saut dimensionnel n'est censé griller que la moitié du cerveau. Je reconnais pas cet endroit, merde. Un peu d'air frais lancera peut-être mes synapses. Comment se fait-il que je me souvienne d'un mot comme synapse, mais pas de la raison de ma présence ici? Bordel. Ça, c'est un changement de décor. C'est magnifique. J'y aille. Oh, tu connais le chemin. Ah, je suis juste derrière toi, petit. Cette technologie extraterrestre est effrayante. J'espère que ce vaisseau n'a pas décimé mon unité. Où est mon équipement? Je suis de garde, au moins. Ah, bon sang, j'ai mal à la tête. Bon, on se concentre. La WFA n'aurait jamais envoyé un agent de terrain les mains vides. Quelque chose a dû se passer avant mon arrivée. Emmène-moi à la zone prise pour cible, petit. Au moins, je me souviens comment prodiguer les premiers soins. Des habitants, j'imagine.
Ils ont pas l'air si blessés que ça. J'espère qu'ils pourront... Nélapta. Oh, du calme. Je viens en paix. Je crois. Tu parles à Gakamon ? J'ai appris 14 langues, mais j'ai jamais entendu parler de... Ouais, je parle à Gakamon, bien sûr. Enlève ta chemise. Tu peux répéter ? Montre-moi l'amulette de Zokrim. Écoute, tu me confonds avec quelqu'un d'autre. Je viens d'une autre dimension et... Comment dire ça simplement ? Tu es humain. Oui, parfait. Tu as un avantage sur moi, parce que je ne connais même pas l'espèce à laquelle tu appartiens. Lulukai est censé connaître les Talan. Alors qui es-tu ? Je m'appelle Slade, commandant Crusher Slade. Recule, monstre plein de doigts. Sinon, par les Yod, je transformerai ta main déformée en trophée. D'accord, pas de poignée de main. C'était un geste amical. Écoute, ce que tu viens de dire, ça... Ça résonne dans ma tête. Monstre plein de doigts ? Non, l'autre. Lulukai, j'ai l'impression qu'on était censés se rencontrer. La prophétie parle d'un humain sauveur, ramenant l'amulette de Zokrim. Tu n'as pas l'air d'être au courant. Ouais, ma mémoire est momentanément partie en balade. Le vaisseau que j'ai vu, qu'est-ce qui lui est arrivé ? Les envahisseurs ont asservi les Talan et menacent les terres de mes ancêtres. Sans les conseils de Lulukai, Adelpha est condamnée. Alors, on est sur Adelpha. Impressionnant. Et ça me dit quelque chose. Je suis Léaz, la chef des gardiens d'Olotai. Les envahisseurs viennent d'enlever l'une des miens. Si les Yod sont de ton côté, tu la sauveras. J'ai besoin que tu me prouves que tu es Lulukai. Impossible de me souvenir de mon briefing, alors. D'accord, passe devant, Léaz. Il n'y a pas de temps à perdre. Mes gardiens d'Olotai ont localisé le vaisseau ennemi. Les envahisseurs ont emmené le prisonnier dans leur avant-poste. Que les Yod guident ton point, humain. Ce point ? Tu vas même pas me prêter ta lance ? Je ne dois pas avoir d'influence. Ça, c'est super. S'il te plaît, dis-moi qui se contenteront de me jeter des noix de coco. Les noix de coco ? Elles réintègrent les boules de feu lancées à la vitesse de la lumière ? Ouais, pas vraiment. Cette gardienne de l'Otai. L'activité physique, c'est bon pour le cerveau, apparemment. Et une de plus. C'est quoi ? J'ai jamais vu un truc comme ça.
impressionnante, cette technologie. J'ai intérêt à faire gaffe. Ces robots ont compris ce qui les attendait. Je me demande si le gardien de l'Otaï les a eus. Il n'y a aucune trace de vie ici. Je me demande à quoi ressemblent ces envahisseurs. Solution universelle. Je vais continuer à avancer. Elle peut pas être bien loin. Encore un de ces bâtiments. Je vais aller jeter un œil à l'intérieur. Maintenant, je dois trouver un moyen d'ouvrir cette porte. Cet équipement est plus avancé que tout ce que j'ai pu voir auparavant. D'accord, essayez un peu de m'avoir maintenant. On dirait un genre de terminal. Le bouclier interagit avec ce truc. Il va falloir que je tombe pour le passer.
Bien joué, Slade. J'ai un mauvais pressentiment concernant l'ami de Léaz. Il faut que je la trouve. Ça va me... Mais qu'est-ce que... C'était quoi ce délire? QG Alpha 32 avons repéré une explosion sur les capteurs thermiques. Demande de statut. Oh non. Non, 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 non. C'est pas possible. Alpha 32, à vous. Commandant, vous subissez une attaque? Répondez. Des humains. Les envahisseurs, ça serait mon peuple. Bonne chance pour expliquer ce petit détail à Léaz. Eh ben, j'imagine que t'auras plus besoin de ça, mon gars. Voyons voir si le scanner fonctionne. Vision au rayon X. Trop bien. Ça devrait faire l'affaire. Et c'est parti. Douce. Oula, cette fois, c'est pas pour vous.
J'ai un mauvais pressentiment. J'espère pas arriver trop tard. Mais j'allais nous sortir de là. T'aurais pas dû te sacrifier. WFA, et c'est l'armée. Pourquoi j'ai l'impression d'être du mauvais côté, moi? La WFA utilise des droïdes maintenant? Oh, on peut pas parler, j'imagine. Oh oh. Tu vois ça? Ouais. Comment on fait pour l'éteindre? Hein? Putain de sauvage. Réponds! Kaza, my name. Mauvaise réponse et mauvais choix de langue. Encore! Si on peut pas vous enseigner le français, à quoi vous servez? Général, une attaque a eu lieu. Quoi? Où ça? Dans le 44e district. On a perdu contact avec l'infanterie. Envoie immédiatement une équipe de réparation. Et active la surveillance visuelle dans nos principales bases. Leur charabia me fait le même effet que les ongles sur un tableau. Il cache forcément quelque chose. Découvre ce que c'est. Et apporte-moi un autre prisonnier. Qu'est-ce qu'ils font dans ma tête? Une minute. J'ai fait un rêve dans cet endroit. Donc, c'était pas un rêve. Reste ici, je te retrouverai. Bon sang, je suis où? C'est pas juste. Mon papa et ma maman peuvent pas partir en même temps. J'aime pas quand tu l'appelles papa. Tu sais, le commandant Slade rejoint la mission pour aider à garder maman et ses amis en sécurité. Alors je veux venir aussi. C'est trop dangereux, ma puce. Mais t'en fais pas. Je reviendrai vite, je te le promets. Papa m'a promis la même chose. Camilla. Commandant Slade, je veux dire. Désolée, maman. Ne t'excuse pas. Je t'aime. Il a dit ça aussi. Camilla. J'ai une petite fille à la maison. Je peux pas rester ici. Elle a besoin de moi. C'est vraiment pas courant.
Léaz. Toi? Mais je t'ai vu te réintégrer dans l'explosion. Je suis de retour. Par contre, me demande pas comment j'ai fait. Et je crois que ta pote gardienne n'a pas eu cette chance. Elle a éliminé plein d'envahisseurs avant que je l'atteigne. Nous sommes fiers de son sacrifice. Béni soit son essence. Béni soit Lulukai. Tu as passé l'épreuve avec succès. Tu as prouvé que tu es protégé par les Yod. Pourquoi on s'arrête ici? J'ai besoin d'un portail vers ma dimension, j'ai une fille et... Moi aussi j'ai une fille, et je ne veux pas la voir souffrir. Les Yod ont besoin que tu t'occupes de ces monstres qui oppriment les Talan. Écoute-moi, il faut que je te dise quelque chose au sujet de ces aliens que vous combattez. Je sais tout sur eux, ils sont encore plus nuisibles que la peste Nekkar. On devrait tous les exterminer. Oh allez, c'est un peu excessif. Il peut aussi avoir des gens bien parmi eux, quand même. Ils ne méritent aucune clémence, pas après ce qu'ils ont fait à mon peuple. Mais pardonne-moi cet emportement, Ulukai. Qu'avais-tu à me dire? J'ai encore oublié. Ah, oui, chez moi. Comment je peux retourner dans ma dimension? Seul l'Almayel peut répondre à cette question. Mais Kizar est une île interdite. Pas mon genre d'endroit. C'est par où? L'île est entourée d'un immense bouclier d'énergie impénétrable. Nous l'appelons la Lance. Rien ne peut passer à travers, tout comme la volonté des Yod. Tes Yod pouvaient pas me rendre la tâche facile, hein? Mais il y a peut-être une solution. Les enfants de Kizar souffrent en ce moment d'un mal mystérieux. Et l'Almayel a fait appel aux Shamaz pour les soigner. Je ressemble à un de ces Shamaz? Non. Mais tu pourrais en persuader un de te présenter à l'Almayel. Mais tu vas devoir travailler pour. Et si tu me présentais? Je te gratte le dos, tu grattes le mien, un truc dans le genre. Je ne vais pas te gratter, Ulukai. En plus, les gardiens de l'Otai ne sont plus les bienvenus à Kizar. Alors, par où commencer? Le village le plus proche est celui d'Emea. Demande à voir le Shamaz Nemet. Ok. Oh, tu devrais utiliser cet appareil si tu veux qu'on garde le contact. Synchronisation du comlink en cours. Synchronisation terminée. Et à propos des envahisseurs. Laisse-moi m'occuper de ces aliens non identifiés.